surfscooter mécaboîte. Alors aujourd'hui, une vidéo assez spéciale. Je vais vous expliquer deux trois trucs qui va arriver, qui va être sur la chaîne. Donc d'abord, je vais vous parler de la DT50. Hein. Donc la DT50, et j'ai abandonné le projet temporaire, enfin pour le moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être réparée. Elle est toujours à l'abandon dans le sous-sol pour l'instant. Maintenant, je sais pourquoi que le moteur a lâché. Donc j'ai fait énormément, énormément de recherches, car je ne voulais pas refaire le moteur sans savoir le problème, enfin les problèmes qu'il pouvait y avoir pour le fait que je perce le piston comme ça. Donc j'ai l'affiche. Il y a un youtubeur qui a fait un montage de ce cylindre-là sur une. Je crois que c'est sur une. Bah, c'est sur une MRT avec un moteur AM6, donc un moteur plus récent que le mien. Et donc lui, il a fait une prépa du cylindre, grosse prépa carter. Moi, j'ai une prépa carter assez light, hein, parce que je ne suis pas très équipé. Et c'est pas ma première prépa carter que je fais sur un AM6. Et toutes les prépa carter enfin les trois quarts des prépa carter que j'avais fait sur des AM6, en général, quand on essaie de limer les carter sur un AM6, on passe à travers, c'est obligé. Et moi, je ne voulais pas avoir à reboucher des trous. Qui n'aurait pas tenu dans le temps. Donc voilà. Donc ma DT. Alors, ma DT. Le 86 a percé. Première raison. Qui est due à une erreur de chez Italkit. La première raison, c'est le squish. J'ai un squish qui est trop bas. Il faut au minimum 0,90 de squish. Je suis à 0,60. 15. Enfin, j'étais à 0,77, donc 0,77, une fois que votre moteur il a fait quelques kilomètres, voire serre la culasse, automatiquement vous perdez déjà 2 mm, 0,02 mm de squish. Alors, sur la notice du 86 Italkit, c'est bien marqué 0,75 de squish, sauf que c'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Il faut 0,90 de squish, 0,75. Le piston passe trop près de la, déjà passe trop près de la bougie, et il y a un problème surtout, c'est de taux de compression, je crois. On a un taux de compression qui est pas bon. Deuxième problème, ça c'est dû au site internet où j'ai commandé le cylindre. Il me disait carbu minimal minimum de 21. C'est pas bon. Mon cylindre, j'ai réussi à retrouver ma notice parce que je m'en étais juste servi de la notice juste pour le squish. Hein. Après, bon, bah voilà, j'ai vu, voilà, il faut 0,75 de squish. Après, je savais combien il fallait. J'avais juste à regarder sur mes vidéos, puis voilà. Et en fait, le carbu minimum pour ce cylindre-là, qui est recommandé, c'est un carburateur de 28. Ce n'est pas un 21. Donc, je suis 7 mm trop petit sur le carbu. Ça n'empêche pas de fonctionner avec un carbu de 21, parce que la bécane, elle a quand même roulé plusieurs mois comme ça avec un carbu de 21. Elle n'avait pas de trou. Elle marchait nickel, même en plein hiver. Parce que moi, vous savez que mon véhicule servait également l'hiver. J'ai roulé sur la neige avec et tout ça en novembre 2020. Et avec le 86. Et bah, ça marchait, quoi. Même pas besoin de mettre le starter pour la démarrer. Surtout que j'ai tendance à régler mes véhicules un peu plus riches que ce qu'il faut. Donc avec une bonne coloration de bougie. Donc j'étais couleur brique au milieu, noir sur le tour. Donc j'étais un peu riche sur le au régime, je crois. Mais bon, on s'en fout. Le jeu à la coupe du segment, ça j'étais largement bon. Autre chose où j'étais pas bon, et ça on va dire c'est un peu. Je vais pas dire que c'est de sa faute à lui, mais on va dire qu'il m'a donné une mauvaise info. Alors c'était pour le calage de l'allumage, parce que j'ai été passé sur un MVT DD. Donc ça, là, ce que je vais vous expliquer, c'est uniquement pour le deuxième trou dans le piston. Pour la première fois où le cylindre a percé, où le piston a percé, ça ne vient pas de l'allumage, parce que tout simplement, parce que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai dû faire peut-être 800 ou 900 km avant qu'il perce. Là, elle a fait que 71 km. Donc là, je sais que par contre, c'est l'allumage. Alors, pour la deuxième, donc tout ce que j'ai expliqué avant, ça peut expliquer ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai percé le piston, c'est-à-dire début 2021,
Par contre, ce qui m'est arrivé là récemment en janvier, ça peut être l'allumage qui est mal calé. Alors j'avais été me renseigner envers mon garagiste, il m'avait dit de mettre 0,40. Vu que c'était la première fois que je montais un rotor interne, je n'avais pas de notion. Je ne vais pas dire que je n'avais pas les connaissances, mais je n'avais pas les notions. Il m'a dit mets 0,40, ça va marcher. Le problème, c'est que sur la fiche technique, le manuel, enfin la notice de mon allumage, ils disent 0,30 à, enfin 0,35 à 0,40 pour les courses d'origine 39 et de 0,20 à 0,30 pour les courses longues. Sauf que 0,20 à 0,30 pour les courses longues, c'est un peu vague parce que des courses longues, on a des courses pour la M6, on a la course 42, on a la course 44, on a la course 45. On a des courses 47 et 48, je crois, ou 46. Donc, c'est un peu vague. Donc, j'avais demandé à mon garagiste, vu qu'il faisait de la compétition. Il m'a dit de mettre 0,40. Or, c'est pas bon. J'ai la chaîne YouTube qui a monté ce cylindre-là. La chaîne YouTube s'appelle Xéon. Xéon. Je vais vous mettre le lien en description. D'ailleurs, ça va être pour cette vidéo-là, ça va être le seul lien qu'il y aura en description. En fait, ce qui se passe, c'est que lui m'a dit non, faut mettre 0,20 maximum, tu mets pas au-dessus. D'accord. Donc moi j'ai mis 0,40. Donc ça peut expliquer le fait que j'ai niqué pas mal de bougies. Lui, il avait une BR10 ES, donc ma bougie, le fait que je niquais les bougies, ça venait pas de la bougie. Je niquais ma bougie parce que j'avais 0,20 d'avance de trop, enfin 0,20 degrés d'avance de trop à mon allumage. J'avais un carburateur qui était 7 mm trop petit et j'avais un squish qui était 15 mm trop bas. Donc voilà pourquoi j'ai niqué mon moteur. Je vais vous montrer le DT et je vais vous expliquer la suite après. Donc comme vous pouvez voir, la DT est toujours à l'abandon. On peut voir qu'il commence à y avoir une bonne couche de poussière dessus. Je n'ai pas remonté les carénages. Les carénages sont dans mon local, hein, mais de toute façon j'ai perdu la moitié des vis, donc voilà. J'ai un peu perdu la motivation de bosser dessus. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, il va y avoir du changement sur la chaîne. Donc, d'abord, en ce qui concerne la DT, elle ne sera pas prioritaire niveau réparation. La DT sera faite en tout dernier. Donc, je pense que il y a des grandes chances que je reprenne les réparations en 2023 sur la DT. Pour le moment, j'ai plus envie de m'emmerder avec parce que j'ai monté le 86 Italkit kit en je sais plus quand en 2020, ça c'est sûr, je l'ai monté en 2020 parce qu'après j'étais fait un petit tour à l'hôpital. J'étais fait un tour à l'hôpital en février 2021, je crois. J'ai dû le monter novembre décembre, je crois, le cylindre dessus. Ensuite, j'ai percé le piston, j'ai refait le piston, j'ai changé le piston, j'ai nettoyé le bas moteur parce qu'automatiquement la limaille d'alu était tombée dedans. Donc changement de joint, huile de boîte et tout ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai roulé un petit peu et j'ai serré à cause d'un défaut de fabrication d'un joint torique qui vient sur le vilebrequin. Et il y a beaucoup de problèmes de joints en ce moment sur les AM6. Je parle sur les joints adaptables, comme les joints Top Perf, Poligny, Most, et tout ça, il y a beaucoup de problèmes. Donc je vous conseille un truc, si vous avez acheté des joints de vilebrequin, achetez des joints constructeurs, et des vrais joints constructeurs, donc les joints que vous allez acheter directement chez Euroedju ou directement chez Yam. Mais n'allez pas acheter des joints soi-disant Yamaha sur les sites internet, parce qu'en général, ils vous enculent, c'est pas les bons. C'est du type origine, parce que attention, les top perf et les origines se ressemblent. Mais j'ai eu un petit problème avec des joints de top perf sur l'XP6 à mon cousin. Vous avez des vidéos, j'essaierai de vous remettre ça en haut là. Et donc la DT pour le moment, après bon, j'ai percé le piston, enfin j'ai serré, j'ai refait le moteur, là, je l'avais laissé 4 mois à l'abandon. J'ai refait le moteur, j'ai roulé 71 km avec. Piston percé, et là depuis janvier, elle est dans le sous, elle est là, elle bouge plus. Voilà. Donc, le premier truc qui sera réparé, où j'ai pas mal de boulot dessus, et je ne pense pas que je vais faire des vidéos parce que c'était prévu de choisir des vidéos, sauf que c'était pas prévu que j'en aie pour autant de réparations à faire, c'est la voiture sans permis.
Dessus, j'ai quatre amortos à changer. Les quatre amortisseurs, donc les deux avant, les deux arrière, j'ai deux triangles à changer. J'ai les deux rotules de suspension, les deux rotules de direction. Jusque-là, c'était prévu. Par contre, ce qui n'était pas prévu, c'est les roulements de roue avant, les roulements de roue arrière, les kits freins arrière complets, parce que finalement, la voiture freine que sur trois freins, et maintenant, je sais pourquoi qu'elle freine que sur trois freins. C'est tout simplement que la personne qui a fait les réparations, donc pas le gars qui m'a vendu la voiture, mais le gars qui a fait les réparations, a tout simplement changé que le côté gauche niveau frein. Il n'a pas changé le côté droit, ce qui explique pourquoi que la voiture à l'arrière, la roue arrière gauche freine, mais pas la roue arrière droite, tout simplement parce que les mâchoires de frein arrière gauche sont neuves, mais celles arrière droite ont 68 000 km. Dans le coup, je suis obligé de changer les deux parce qu'automatiquement, quand vous changez sur un véhicule, par exemple 4 roues, quand vous changez d'un côté, il faut changer de l'autre. Là, c'est l'erreur qui a été faite, c'est qu'ils en ont changé qu'une sur deux. Donc voilà, c'est ce que je vais expliquer. Donc, vu que dans le coup, côté gauche, ça a roulé, je ne sais pas il y a combien de kilomètres que ça a été fait. Moi, j'ai déjà fait 1000 bornes avec la voiture, donc très clairement. Kit frein complet neuf, au moins comme ça je suis sûr. Il y a ça à faire. J'ai le berceau moteur. La voiture, je l'emmène le mois prochain chez un copain. J'ai le berceau moteur qui est cassé à l'avant. Il y a une fissure au niveau d'une fixation de triangle et il est cassé sur une patte de fixation en dessous. Donc, ça, le mieux aurait été de changer le berceau. Sauf que moi, j'ai la chance d'avoir un soudeur professionnel chez moi. Donc, je vais pas m'emmerder à foutre 200 balles dans un berceau. Surtout que pour le moment, il n'y a pas de contrôle technique sur les voitures sans permis, donc voilà. Et c'est la monnaie, c'est une assez courant sur ces véhicules-là qui casse. Donc, j'ai pas envie de foutre 200 balles tout de suite dans le berceau. Surtout que j'ai quand même d'autres réparations à faire dessus. Donc, la voiture, je l'emmène chez un copain. Je vais démonter le moteur, la boîte, la crémaillère de direction, les deux demi-trains avant, le pare-chocs, le capot, les phares. Ah oui, aussi, j'ai ça aussi à faire, j'en reviendrai après si j'y repense. Pour pouvoir démonter le berceau moteur, que mon père le ressoude. Ensuite, une fois que c'est ressoudé, je vais lui faire un traitement dessus. Donc, je vais mettre un anti-gravillon dessus, qui va le protéger contre la rouille et qui va le protéger aussi contre les gravillons. Voilà. C'est les genres de Blackstone, quoi. C'est ce qu'on trouve sous les voitures. Comme ça, je vais le traiter parce que je me suis aperçu, c'est que ces machins-là, il n'y a pas du tout de traitement dessus. C'est juste une vulgaire peinture, voilà, qui résiste pas à la chaleur ni rien. Ce qui fait que moi, j'ai regardé sur mon berceau et j'ai quasiment plus de peinture dessus. Pareil, autre chose qu'il faut que je refasse sur la voiture, c'est tout con, mais je vais vous le montrer après. Il est là. J'ai déjà les deux phares avant à changer parce qu'il y en a un qui tient plus que par des réglans et l'autre qui tient sur deux pattes de fixation, avec deux pattes de fixation sur trois. Et qui en plus les optiques sont légèrement usées au niveau des réflecteurs à l'intérieur, en fait c'est complètement bouffé. La voiture a 23 ans, hein, donc voilà, c'est pas des phares de qualité. Et j'ai un phare arrière à changer, mais en fait, le phare arrière, j'ai le côté droit qui est le carreau qui est cassé, mais j'ai le côté gauche, le carreau n'est pas cassé, mais j'ai des pattes de fixation qui servent pour les vis, pour le fixer, qui est cassé. Ce qui fait que le phare arrière gauche, il devrait tenir par trois vis, il tient plus que par une vis. Déjà, le pare-choc arrière sera changé parce que je vous avais fait une vidéo sur la carrosserie et j'ai réparé le pare-choc, hein, ça tient. Mais je préfère le changer par la suite parce que franchement, il a pris cher celui-là. Et je ne sais pas combien de temps que ça va tenir, je ne sais même pas si un jour ils nous mettent un contrôle technique, je ne sais même pas si ça passera. Donc je préfère le changer. Maintenant, je vais vous montrer le pare-choc. Donc. Là, c'est le pare-choc d'origine de ma voiture. Donc voilà. Donc il est, voilà, il est pété. Très clairement. Donc lui, faut que je refasse. Oui. Sur les côtés, encore. Sur les côtés là, vous voyez, normalement, bon, ça c'est pas d'origine, hein, ça a été rajouté très clairement. Il faut décoller la languette là. Voilà, le pare-choc, il se fixe ça, ici. Sur les côtés. Le problème, c'est que sur les pattes de fixation principale, on va dire, j'ai celle-là qui est pétée, donc à réparer. Celle-là qui est cassée, à réparer.
Là, il n'y a plus rien. Faut que je reconstruise. Et là, c'est pareil. Et là, à réparer, comme d'habitude, refait avec de la colle à pare-brise. Je vais bien m'emmerder aussi pour le réparer ça. Alors vous allez me dire, mais t'as un pare-chocs sur ta voiture, pourquoi tu le laisses pas? Eh ben, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. En fait, quand j'ai récupéré le pare-choc rouge qui est actuellement sur la voiture, je me suis aperçu d'un truc. C'est qu'il était beaucoup plus court que celui-là. J'ai mesuré ce pare-choc-là et après j'ai mesuré l'autre. Et je me suis aperçu qu'il manquait 4 cm de longueur sur l'autre. Et l'autre est 4 cm plus court. Et il est pareil au niveau des fixations. En fait, quand je le monte, je suis obligé de, en bas, je suis obligé de le prendre et tirer pour le monter. Et pareil, les deux pattes de fixation du haut qui viennent au niveau des phares sont cassées aussi. Mais ça encore, c'est pas le plus chiant. Le plus chiant, c'est que surtout, ce n'est pas le bon pare-choc. Parce que j'ai un putain de décalage entre ma calandre et mon capot. Et ce décalage, en fait, il s'explique par un truc tout simple. C'est que ce n'est pas un pare-choc de Virgo 2. C'est un pare-choc de Virgo 1. Et les Virgo 1, le capot part un peu plus vers le bas. Quand on m'a vendu ce pare-choc-là, on m'a dit que c'était les mêmes, que c'était juste esthétique qui changeait, mais que ça venait d'une Virgo 2, sauf que j'ai tapé sur Internet, et avec le design de la calandre qui a mon pare-choc, bah, je me suis aperçu qu'en fait c'est un pare-choc de Virgo 1, donc pare-choc qui est sorti avant 99. Donc vous allez me dire, mais au pire, pourquoi tu te fais chier à réparer celui-là, rajoute-en un neuf, sauf qu'un pare-choc neuf c'est 89 euros, et que j'ai quand même celui arrière aussi à changer, qui coûte 89 euros. Donc, foutre 89 euros déjà pour un bout de plastique, ça me fait chier. Parce que je vous explique, en fait, j'appelle ça pare-choc, mais pour moi, ce n'est pas un pare-choc, c'est un carénage. Parce qu'un pare-choc, on est d'accord qu'un pare-choc, ça sert à absorber les chocs. Sauf que là-dessus, je vous défie de trouver un absorbeur de choc comme il y a sur les voitures. Il n'y a pas de pare-choc que le nom. C'est tout. C'est juste un bout de polyester, hein, c'est tout. Un bout de polyester qui fait un peu plus de 2 mètres de long sur 1 mètre de haut, quoi, on va dire. Donc ça me fait chier de foutre 89 euros là-dedans, en sachant que j'en paye déjà un à 89 euros. Donc en payer deux à 89 euros, bah, vous faites le calcul, hein. Donc on arrive déjà à 178 euros pour deux pare-chocs. Ouais, je sais, je suis pas bon en calcul. Faut pas être bon en tout. Donc 178 euros pour deux pièces en plastique, j'ai envie de vous dire, ça fait comme pour le DT quand j'ai eu le problème avec quand j'ai fait le kit chaîne et qu'il avait fallu changer le patin de chaîne et le guide. Ça m'a fait chier de foutre 98 euros pour deux bouts de plastique. Bah là, c'est un petit peu pareil, ça me fait chier de foutre 178 euros pour deux grands morceaux de plastique. Déjà 89 euros pour un, ça me fait chier. Je suis en train justement de faire des recherches pour voir pour en trouver un moins cher ou un d'occasion dans un bon état. Sauf que j'en trouve d'occasion, mais plus cher qu'un neuf. Donc voilà. Puis aussi le fait de refaire le pare-choc d'origine, c'est que je suis sur de la qualité constructeur. Donc déjà ce pare-choc-là, j'ai fait une. C'est la chose que je me suis que j'ai remarqué, c'est que le pare-choc que j'ai sur la voiture, là, qui est monté actuellement, le rouge, c'est pas un pare-choc constructeur, c'est un pare-choc adaptable. Je m'en suis aperçu je m'en suis rendu compte pour deux choses. Déjà le poids. Celui-là, il est plus lourd que l'autre. Bon, d'accord, il manque 4 cm de chaque côté. Je pense pas que 4 cm, vous allez le ressentir au poids, surtout sur du plastique. Celui-là est plus lourd. L'autre est plus léger. L'autre, dès que je le prends, c'est simple, il craque. Vous appuyez un petit peu dessus, il craque. Et j'ai réussi à le fissurer en le montant sur la voiture. Donc c'est pour vous dire. Donc les deux pare-chocs sont changés. En ce qui concerne mon aile avant gauche, je ne sais pas encore ce que je fais. Je ne sais pas si je la change. Je sais pas si. De toute façon, je ne pense pas que je vais la changer parce qu'il y a un morceau que j'arrive pas à décoller. Il faudrait pour bien faire que ce putain de morceau se décolle. Mais vu que ça a été collé avec une résine époxy pour le faire sauter, mon cul. Je pense que ça va rester comme ça. Je vais juste rajouter de la fibre pour. Je vais me prendre en fait à la hauteur du morceau qui est resté collé d'origine sur la voiture. Et je vais juste refaire l'alignement jusqu'en haut. Avec de la fibre de verre renforcée, je ne vais pas m'emmerder. Après, bon, bah, ponçage, masticage, voilà, vous avez compris. On repeindra l'aile. Voilà. Alors la voiture, je ne compte pas. J'arrête pas d'entendre parler en ce moment. Surtout par mes proches. La voiture, je n'ai pas l'intention de faire une peinture complète.
D'accord? C'est une voiture sans permis. Je ne vais pas me faire chier à faire une peinture complète là-dessus. Ça sert à rien. Surtout sur une Virgo. Ça sert vraiment à que dalle. J'ai eu pas mal de problèmes de carrosserie aussi sur la voiture. J'ai eu pas mal de problèmes. Donc le coffre, il est réparé. Donc le coffre, il n'y a plus besoin de le claquer comme un gros baiser pour le fermer. Maintenant, on le pousse à peine, il ferme. Le joint de coffre, il est changé. J'ai refait pas mal de travaux de carrosserie. J'en ai encore quelques-uns à faire. Il faudrait que je puisse finir de consolider. Parce que il y a des trucs que vous n'avez pas vus en vidéo. Hein. Je vous explique, il y a vraiment beaucoup de trucs que je n'ai pas fait en vidéo. Les variateurs et tout ça, je ne l'ai pas fait en vidéo. Variateur boîte et courroie, je ne l'ai pas fait en vidéo, je n'avais pas le temps. Il fallait s'apprêter. La batterie, c'est pareil, je ne l'ai pas changé en vidéo. Réparation de l'alternateur, je ne l'ai pas fait en vidéo non plus. Et j'ai refait aussi pas mal de travaux de carrosserie. J'ai eu le levier de vitesse, par exemple, en passant la marche avant, il m'est resté dans les mains. Tout simplement parce que le mec qui avait la voiture avant, c'était un cinglé sur le levier, et il te tirait là-dessus comme un gros baiser. Sauf que les voitures sans permis, c'est de la fibre de verre. Et Virgo 2, c'est pas épais. L'épaisseur de la fibre doit faire que ça. Niveau de ma lunette, là. Ça doit faire peut-être 2 mm d'épaisseur, pas plus. Donc, fibre de verre renforcée en dessous, fibre de verre renforcée au-dessus. Mais j'ai pas mis beaucoup parce que j'avais plus grand-chose en fibre de verre. En plus, j'ai pas fait ça de bonne heure. En général, quand on a des merdes comme ça arrive jamais de bonne heure. Ça arrive toujours quand il fait nuit. Donc ça, pour bien faire, il faudrait que je ressoulève la voiture, il faudrait que je fasse sauter le pot d'échappement. Il y a un silent bloc qui ne veut pas s'enlever. Donc il va falloir que je l'enlève, que je le coupe. Il va falloir que je enlève la moquette, que je puisse enlever la partie qui est en haut. Que je mette 3 silent blocs neufs, déjà. Et que j'enlève le pot d'échappement, que je redémonte tout le système de mécanisme de boîte de vitesse. Que je. Voilà. J'essaie de voir comment faire. Si je peux essayer d'éviter d'enlever les câbles, ça m'arrangerait. C'est une merde à régler. Je l'ai fait l'autre fois, quand il a fallu que je re-règle après, je me suis bien, bien cassé les couilles. Et il va falloir que je re-renforce encore avec de la fibre de verre renforcée parce que j'ai mis que des petits bouts parce que j'avais que ça. Mais ça serait mieux que je mette des morceaux complets. Ça serait quand même mieux. Voilà. Donc il va falloir que je refasse au-dessus, en dessous. En dessous, j'ai pas pu faire comme je voulais. J'avais le pot d'échappement qui me cassait les couilles. Il faisait nuit, je pouvais pas soulever la voiture. Donc voilà. Et pareil, j'ai eu le coffre qui est tombé. Suite à un petit connard, des petites conneries qu'on m'a fait sur la voiture. Un sale bâtard. Excusez-moi de l'expression, mais quand on se fait péter sa voiture, c'est comme ça qu'on dit. Un sale bâtard. Et en fait, ils ont forcé ma voiture. En fait, ils ont pris le carreau, ils ont tiré dessus. Le problème, c'est que là-dessus, les charnières du coffre sont prises sur le carreau. Donc quand ils ont tiré, ça a pété le carreau. Sauf que ça a pété la fibre. Parce que la fibre, au bout de 23 ans, vu que déjà elle n'est pas épaisse, elle casse facilement. Donc ça, je l'ai refait. Donc ça, c'est nickel. Bon, j'aurai masticage à faire après peinture et voilà. Et un autre truc qu'il va falloir que je fasse que j'ai pas fait encore sur la voiture, c'est le plancher qui est cassé. Parce que quand je monte la voiture, ça fait. Donc, fibre, fibre. Je recolle les moquettes correctement et puis basta. Pareil, j'ai eu la batterie qui est tombée. Parce que la voiture, là-dessus, la batterie s'est fixée vraiment comme de la merde. Il y a juste une vulgaire barre en ferraille qui la tient. Je me suis aperçu que la barre, c'est une barre qui avait déjà cassé une fois, qui a été changée. Et le souci, bah, pas changée, elle a été ressoudée. Moi, je veux la changer, j'en ai trouvé d'occasion en excellent état, donc je vais la changer. Et je vais refaire surtout la partie qui est cassée. Là, pour le moment, j'ai mis un boulon à l'intérieur avec une putain de rondelle à l'extérieur, un écrou, j'ai refixé la pâte avec un autre écrou. Ça tient. Mais le mieux, ce serait quand même que je refixe ma batterie correctement, comme c'était d'origine. Je vais avoir le moteur d'essuie-glace aussi à changer. Ça coûte 148 euros en neuf. Parce que j'ai que la première vitesse de l'essuie-glace qui marche, la deuxième ne marche pas. Et surtout que le problème qui se passe avec mon essuie-glace, c'est que de temps en temps, il a décidé d'aller essuyer le joint du pare-brise, qui est sur le côté. Et c'est pas un problème de réglage. Parce que quand je le règle dans l'autre sens, après il vient balayer mon capot. Si je le décale d'un cran, il vient balayer mon capot de temps en temps. Et si je le décale d'un cran dans l'autre sens, il vient balayer mon joint de pare-brise. Donc il y a un problème de moteur. Donc il y avait ça. Bah, je crois qu'on a fait le tour sur la voiture sans permis, c'est déjà pas mal. Il y a les deux pneus arrière aussi à faire. Il y avait peut-être les deux roulements de. Bah, les roulements de roue à l'arrière à faire aussi. Certainement les tambours, et ça je l'espère pas parce que ça coûte une blinde. Donc voilà, donc je pense que les freins arrière, je vais pas me casser le cul. Hein. Je vais aller voir mon garagiste de Marboué.
Il a deux systèmes de freins complets de Virgo. Je vais pas me faire chier. Je vais récupérer certainement là-bas. Alors, je sais, il faut pas mettre de l'occasion. J'en ai rien à foutre, c'est les freins à tambour. De toute façon, les freins à tambour, que ça soit de l'occasion ou du neuf, ça freine pas. Voilà. Moi, devant, c'est neuf. Point. Derrière, on s'en fout, c'est surtout pour le frein à main. Parce que là, j'ai une roue qui se met en frein à main, mais pas l'autre. C'est con quand ça arrive. Et c'est surtout que ça me coûtera moins cher. Ça me coûtera beaucoup moins cher. Donc, en ce qui concerne la voiture sans permis, on fera déjà L. Toute la voiture sans permis. Il y aura peut-être des trucs que je filmerai. Par contre, le berceau moteur, je ne suis pas sûr que je le filmerai. Parce que ça dépendra déjà, un, si mon pote il est d'accord. Parce qu'il ne veut peut-être pas qu'on filme chez lui. Hein, c'est normal. Et c'est surtout que je ne vais pas avoir le temps. Parce que là, je dois sortir le. Comme je vous ai expliqué, je dois enlever les phares, le capot, la batterie, la barre anti-rapprochement, les deux demi-trains avant, le pare-choc avant, le moteur, la boîte. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il va falloir que j'enlève la crémaillère de direction. Et c'est une tannée à faire là-dessus. Donc, je pense pas que je filmerai. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je ferai peut-être des photos avec le portable, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je pense. Je ferai un cliché photo, vidéo, et puis c'est tout. Parce que j'aurai pas le temps, très clairement. Moi, je pense que je vais certainement en avoir pour 15 jours à tout démonter. Parce que bah forcément, c'est pas à côté. Il doit y avoir peut-être un bon 10-12 km. Et c'est surtout que le gars, bah, il a quand même une vie de famille. Hein, donc déjà, je ne vais pas y aller le matin. Moi, déjà, le matin, je dors. Le matin, je ne vais pas aller faire chez mon pote. Et donc, je ne pourrai pas travailler beaucoup d'heures dessus, quoi, par jour. Donc voilà. Surtout, il faudra que je fasse attention à ce que je fais. Parce que la première fois que je démonte un moteur de voiture sans permis. Ça tient pas par grand-chose, mais bon, faut pas se louper, quoi. Ah oui, pareil, il y a un autre truc aussi que j'ai pas parlé. Je vais avoir le cardan côté passager à changer, parce que j'ai changé le côté gauche. Mais cardan côté gauche, qu'il va falloir que je ramène en réparation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc finalement, je confirme, on a la même merde au niveau des pièces de voiture sans permis que les pièces de deux roues. Donc en fait, j'ai commandé un cardan neuf pour ma voiture sans permis, donc côté gauche, parce que j'avais un satellite qui avait cassé. Le problème, c'est que j'ai reçu mon soufflet, enfin mon cardan, dans un vulgaire paquet de cellophane. J'ai pas eu de carton avec. Le souci, c'est que vous connaissez comment sont les livreurs. Donc, bah, j'ai eu un soufflet qui a été percé. Et forcément, le soufflet côté roue. Donc, le cardan, moi, je ne vais, j'ai essayé sur l'ancien de changer les soufflets, j'y suis pas arrivé. Et je vais pas me prendre la tête, le cardan, je le démonte. Garagiste, vous me changez le soufflet. Point. Je vais payer plus cher, mais au moins, voilà, c'est quand même une pièce de sécurité, faut pas se louper. Bon, il n'y a pas un gros trou, donc il perd pas beaucoup de graisse. Hein. À la vitesse que ça roule, ça n'a pas le temps de se vider. Ça roule qu'à 60. Quand j'ai pas de vent en face de moi, parce que c'est plus 50 que 60 sinon. Donc voilà. Ensuite, il y aura la 89. Alors la 89, elle est roulante. Elle est fiabilisée niveau moteur. J'ai le plateau à monter que j'ai depuis un petit moment et que j'ai toujours pas monté, alors qu'il est prêt, hein, le plateau. Ça doit faire un mois et demi, 2 mois qu'il est prêt, le plateau, mais j'ai toujours pas monté. Et comme l'assurance, elle est toujours pas mise, la nouvelle. Mais la 89, il va falloir que je démonte la roue, que je essaie de démonter un rayon sans le casser. Et que j'essaye même de débloquer les rayons. D'essayer de tout débloquer niveau rayon. De voir. Et si j'arrive à les débloquer, je pense que je ramènerai la roue chez mon concessionnaire et on essaiera de faire un rayonnage. Mais il faut que je sois sûr que les rayons, faut que j'arrive au moins à en démonter un sans le casser déjà. Parce que comme ça, si j'arrive à en démonter un sans le casser, je le mesure, je prends la longueur, l'épaisseur, je regarde chez Macadam du deux roues parce qu'il n'y a que là que je les ai trouvés les rayons. Sauf qu'il y a plusieurs tailles, ils ont quasiment toutes les tailles. Hein. C'est leur spécialité d'ailleurs, tout ce qui est roue. Et puis voilà, mais je voudrais bien conserver les rayons d'origine quand même. C'est quand même une meilleure qualité que les rayons qu'on nous fait maintenant. Mais le problème, c'est que les rayons, la moblette, elle est de 94. Et depuis 94, ça n'a jamais été touché. Donc, elle a pas loin de 30 ans, quoi. Donc, voilà, quoi. 28 ans, là. Exactement, parce que je suis de 90, j'en ai 32, à être 94, donc 28. Donc je pense qu'il y a des grandes chances que les rayons soient rayés, rouillés, enfin grippés, donc ça je sais pas. Il faudra que je fasse le test de démonter le pneu, la chambre à air,
d'essayer de les brosser avec une brosse sur toute la longueur là, pour enlever déjà la rouille qu'il y a au-dessus. Et essayer de voir avec. Je vais peut-être acheter de la WD-40 en bidon de 5 litres. Peut-être deux bidons de 5 litres, essayer de me trouver une grosse bassine, puis je vais plonger la roue dedans, et puis voilà, au moins ça aura le temps de se dégripper. Comme ça, peut-être que j'arriverai à les avoir. Alors, c'est peut-être du gaspillage, mais au moins, si je peux conserver mes rayons d'origine, moi ça m'arrange. Normalement, il n'y a plus que ça à faire sur la 89 et les amortos arrière. Et après, de quelques petites retouches de peinture et de vernis. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Mec à boîte. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande, LG Motorsport Racing et Mobonze. Finalement, je vais vous mettre les liens en description. Mobonze a récupéré sa chaîne YouTube. Bon, vous, quand vous allez voir cette vidéo-là, ça fera déjà un moment qu'il aura récupéré sa chaîne YouTube. Normalement, je devais plus faire de vidéo, mais bon, là, j'ai un peu plus de motivation pour en retourner. Et puis, je suis un petit peu moins fatigué, surtout en ce moment. Donc, j'en profite. Enfin, surtout là. C'est surtout pour ça aussi que j'avais arrêté, c'est que j'étais pas en forme en ce moment, depuis quelque temps. Voilà. Donc, voilà. Et je vous mets également mon Instagram en description. Alors, je ne reçois plus les notifications Instagram. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. J'ai regardé dans mon téléphone, les notifications sont bien activées. Mais je ne les reçois plus. Alors, il doit y avoir un problème chez Insta en ce moment. Donc, c'est pas la peine de me mettre des commentaires. Quand vous essayez de me joindre sur Insta et que vous arrivez pas, que je vous réponds pas, de me mettre des trucs du genre ouais, tu m'as pas beaucoup aidé ou les trucs comme ça. Parce que j'en ai eu un qui me l'a mis, ça. Alors, déjà, faut savoir que je suis pas dans l'obligation de vous aider. Moi, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de divertissement. D'accord? Je suis pas obligé de vous aider. Et je vous aide déjà, c'est gentil de ma part. J'ai eu ça l'année dernière, sauf que le gars, il était gentil, sauf que moi, je travaillais à ce moment-là, et je travaille aux saisons agricoles, les pommes de terre, le tri de pommes de terre. S'il y en a qui savent comment que ça se passe, ils vont. D'accord? Ils sauront. Quand il faut être debout à 4 h du matin pour bosser de 6 h 30 jusqu'à 13 h avec une pause de 5 minutes entre les deux. Hein? Donc moi je suis désolé, mais quand je suis à ma pause de 10 h, j'ai pas trop le temps de répondre aux messages Insta. D'accord? Quand j'ai ma pause à 10 h, j'ai que 5 minutes de pause, donc j'en profite pour boire un petit canon. Boire un verre d'eau ou un truc comme ça. Donc j'ai pas le temps de répondre aux messages Insta quand je bosse. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Mais je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, à plus. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses.